Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un effet de prédiction tout à fait exceptionnel. En effet, celui-ci se fait à l'aide d'un jeu de cartes et d'un feutre. Les conditions pour réaliser cet effet ne sont possibles qu'avec l'aide d'un spectateur, c'est-à-dire vous, mes chers internautes. Pour que tout se déroule dans le meilleur du monde, je vais tout d'abord écrire sur une carte ma prédiction. Voilà. Cette carte, je vais la placer dans mon étui afin que vous puissiez attester que je ne triche pas. Aussi, vous pouvez vérifier que ce dernier est bien vide et qu'il aurait très bien pu être emprunté. C'est très important. Voilà. Maintenant, je vais faire un ruban pour que vous puissiez constater que toutes les cartes sont différentes. Voilà. À partir de maintenant, je vais déposer les cartes une à une sur la table et vous allez me stopper quand vous le souhaitez. Ici? Très bien. Vous ne voulez pas changer? Non? Ok. Je vais placer cette carte dans l'étui. Voilà, comme ceci. Et maintenant, rappelez-vous, une prédiction a été écrite au début de cette sur une carte. Vous avez choisi une carte. Vous auriez pu choisir une autre carte parmi celles-ci. Vous êtes d'accord? Un choix libre et unique, en somme. Ces deux cartes sont enfermées dans cet étui, surveillées par mon huissier de justice, c'est-à-dire vous. Tout le déroulement a été fait dans des conditions les plus honnêtes. Maintenant, je sors ma prédiction. Je vous la montre à la caméra. Ici, j'avais noté le roi de cœur. C'est la carte que j'avais pensée. Une seule chance sur 52 que votre carte corresponde à celle-ci. Nous vérifions? Très bien. Mystère. Ce qui est incroyable, c'est la justesse de mes pensées. Car croyez-le ou pas, votre carte est le roi de cœur. Impressionnant. Terminé, je vous dirai ceci. Croyez en ce que vous faites. Aimez votre passion, car vous seul serez à la hauteur de vos attentes. Allez, ciao les amis!